On a respecté les règles, il est pas parti à 3, c'est pas mon souci. Oui, oui, d'accord. C'est okay, pas mon souci. Tu parles pas de ça. Et vraiment, François le froid de Mitterrand. J'ai l'impression qu'on me sous-estime. Je suis une merde en gros. Oui, Julia, oui, que je suis assez déçue de mes questions. La Chigo a fait exprès de me donner des questions très banales. Excusez-moi, mais moi, les trucs de Martin Luther King, tout ça, je ne connais pas. J'ai fait ça en CM2, j'ai oublié. Je suis désolée, je suis énervée, je pars. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne ML Girl, moi c'est Mimi. Alors aujourd'hui nous sommes ensemble pour un nouveau concept. Donc cette année on a décidé à ce que chacun devait mériter son cadeau dans la famille. Donc cette année il va y avoir quelques défis à relever. Donc bonne chance à tous et je les laisse se présenter. Salut salut, moi c'est Laura. Alors aujourd'hui, on est bien d'accord, je vais gagner. Voilà, il n'y a pas de soucis, je vais gagner mon argent, je vais tout gagner. Je veux tout gagner. Moi, je vous le dis, hein. je veux tout gagner. Salut, moi, c'est Biafa l'anonyme. Moi, je veux tout gagner. Comme ça, j'aurai des sous. Et je vais les battre, c'est sûr. Alors, salut, moi, c'est Clara. On me connaît sous le nom de Soukali. Et cette année, c'est moi qui vais gagner. Je vais rien lâcher. Sportif ou pas, moi, je vais courir. Voilà, moi, je vous dis. Moi, c'est Randy. On me connaît sous le nom de Randy. J'ai pas de serment. D'accord, je vais faire simple. Je suis là pour gagner. J'ai un dû à prendre et je le prendrai. Oh, moi c'est le génius, tu connais. Il y en a ici, ils font trop d'intello. Je vais redescendre dans 2 minutes. Non, je rigole. Moi c'est l'intello. C'est-à-dire en gros, dès qu'ils ont un petit peu un oubli dans la tête, moi je suis là pour les rappeler et je suis un petit peu un joker, tu connais. Bon, vas-y, à plus. Maintenant, nous allons passer à l'épreuve de culture générale. Donc, chaque personne aura 3 questions. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à utiliser votre joker. Encore moi. De football a remporté la Coupe du Monde en 2018. La France. Question 2. En quelle année a été signé l'armistice de la Première Guerre mondiale? Et je donne la date, c'est ça? Non, oui. Oui. J'ai rien dit. Il a soufflé. Il a soufflé. Non, mais elle a rien entendu. Elle a rien entendu. Elle a rien entendu. Je souhaite la question. Voilà. Tu t'appelles pas Génie? Ben non, faut payer. Citez 3 pays du continent africain. 3 pays. Mali. Oh, tu veux égoïste, nous, frère. T'en mets Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun. Voilà. Qui a été élu nouveau président des États-Unis? Il s'appelle McGregor. Oui. Citez les 3 principales valeurs de la République. Oh. Ouais. Égalité, liberté, égalité, fraternité. En plus, il y a des gens. En quelle année la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies? Okay. En quelle année la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies? 1940. 40 combien? Non mais il a dit quand? Non. Quel artiste a interprété la chanson Ramener la coupe à la maison? VG Dream. En quelle année l'esclavage a-t-il été aboli définitivement? J'ai deux dates en tête, mais je suis pas sûr. Je les ai eues, non? Ou à Belgique. 1943. C'était 3 pays membres de l'Union européenne. États-Unis. Mais c'est le seul qui fait pas partie. Dadou, j'ai dit qu'il tire, général, qu'il tire, Dadou. Quelle capitale actuelle a été physiquement coupée en deux de 1961 en 1989? Berlin. Bravo. Merci. Citez 3 pays du continent asiatique. Wesh. Ouais. Vas-y, Chine, Japon et Le temps passe. Ah, c'est bon. Comment? 15.
Ça on a dit, non? Ouais, c'est bon. Bravo. Alors là, franchement, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu des questions faciles, on va dire. Mais elle, Laura, par contre, elle a grave abusé. Thaïlande. Thaïlande. La musique, elle écoute à chaque fois. Mais quand elle n'a pas trouvé. Vraiment, c'est abusé. Là, franchement, j'ai kiffé les questions. C'est quoi, là, hein? Qu'est-ce que vous tenez? Ok, d'accord. Bon, je vous écoute. Ça. J'ai pas envie de m'exprimer sur cette épreuve. Ça devient dangereux aussi. Je dis pas que c'est de la triche, t'as vu? J'ai une réponse. Il y en a, ils insistent sur le fait. Non! L'Union européenne! T'as vu? Alors qu'on pose la question, j'ai la réponse en tête. Mais vas-y, tu connais les erreurs, c'est humain. T'as capté? Fais mon erreur, Nick. Même si ça va tourner, hein. Je savais, mais t'as capté. Vous avez pas vu? J'ai bugué un peu quand j'ai dit États-Unis. Vous avez pas cramé. Vous avez pas bécra. Non, allez, calme, calme. Ah. Attends, quand tu l'as dit, t'as dit! Je suis un peu fier de moi parce que j'ai remonté la pente, 3 sur 3, c'est carré. Je suis le génie, hein, c'est logique, mais là par contre c'est grave. Lui là-bas, là, avec sa tête là, il a dit États-Unis. Depuis quand? Donc moi, là, sur, quand on commande des trucs, quand on va au foot chez Decathlon, on achète des habits, on achète des trucs, des ballons. Quand on paye sa licence, on paye avec l'euro. Lui il a dit États-Unis, wesh, il y a des dollars là-bas. En plus j'ai pas précisé, j'ai dit quoi? J'ai dit, Randy, c'est l'Union. Il y a un drapeau bleu. Il a dit. C'est pas ce que vous. Il a dit États-Unis. Non, il m'a emboucané. Ah, non, il m'a emboucané, ma pote. Il a dit États-Unis, ma wa. États-Unis, wesh. Ouais. Là, vraiment, c'est gagné. Je ne comprends pas le niveau. Alors maintenant, nous allons passer à l'épreuve dégustation. Chacun aura les yeux bandés. Chaque bonne réponse, 5 euros. C'est bon? J'ai combien de doigts? Deux. Ok, y va. Okay. Tiens, prends. Mange. Bah mange, frère, j'étais tout louche. Non, mange, non, mange, mange. 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 C'est pour ça qu'il a pris, il a pris un masque. La farine? Non. Mauvaise réponse. Non. Mais tu vois, là, je suis obligé de garder les yeux fermés. Attends, Claire, bouge pas. Ouvre la bouche. Oh! Ah! Ouais, c'est quoi? Ça l'a dit? C'est quoi? C'est du café? Moi, je vais très bandeau. Monsieur Kiral qui dit que les États-Unis, c'est je sais pas quoi. Ça, c'est quand tu sais que tu vas perdre. Non, mais. Quand t'es sous tension. Ah! Mâche bien. Jean. Je suis gâche. J'ai combien de doigts? Le chien, du doigt, c'est pire que la cigarette. Il y a du tabac. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Prends. Ben mange, je sais pas, mâche, fais quelque chose, goûte. Ça pique. Ouais, ben vous-même ou quoi? C'est quoi? Elle a fait ça. C'est du piment? Eh mais t'as dit que je t'ai des lèvres. Y'a pas un petit goût en plus? Non mais c'est bon. Y'a pas un petit goût en plus? Matt l'a perdu goulasse. Y'avait quoi comme petit goût en plus? Que t'arrives à reconnaître. Tu veux que je te remette encore un petit peu dans la bouche histoire de deviner? Vas-y. Tout ça. Vas-y, Marc, fais quelque chose. Tu vas avoir la bouche en fou. Non, je vois pas c'est quoi. Hein. Bon, on lui accorde le point ou pas? Le point, quand même. Ok. Alors, Laura, tu bois du lait là, c'est ça? Non, mais moi je suis dépassée. Parce que, wesh. Tout le monde a eu. Attends, il y a eu cappuccino, il y a eu gingembre. Moi j'ai du piment. Moi j'ai du piment. En mode, je suis un petit truc comme ça, wesh. Calme! Comment j'ai tout ça sur moi? Pourquoi?
Ta numéro. Eh les gens, dites-moi en commentaire parce que vu que j'ai dit café et non cappuccino, on m'a pas accordé le point. Or que café, cappuccino, c'est pareil, on vous bande les yeux. Vous voyez pas ce qu'on vous met dans la bouche. On dit café, non, je suis censé avoir le point, on est d'accord? Mais non, j'ai pas le point, on est contre mon succès ici. Comme d'habitude, j'ai rien à dire. On verra à la fin. Moi en fait j'ai eu l'habitude de boire du tangavis, du coup j'ai deviné directement un goût. Et voilà. Pour tout à l'heure, je vous jure, c'était une erreur, frère. Voilà. Non, ça y est, je vais pas encore reprendre l'histoire de tout à l'heure. J'étais pas prêt, gros. J'étais pas prêt. Mais pas prêt du coup, non, mais de toute façon, vous verrez. Ma parole, vous allez voir. Soyez attentifs, vous allez voir. Moi, je comprends pas. On pose des questions, vous répondez, mais personne n'assume ses réponses. Exactement. C'est incroyable. Je suis d'accord avec Kamel Girls, ok? Lui, là-bas, là, dit de la merde. Faut pas l'écouter. Moi, je suis d'accord. Je vous ai dit, l'erreur est humaine, je me suis trompé, mais... Non, mais c'est bon, les États-Unis, c'est pas une erreur. Non, c'est calme. C'est pas grave. Ils bouffent l'euro comme nous. Non, c'est calme. Prochaine épreuve, ça sera une épreuve de relais. Donc, le premier qui arrive à destination aura gagné. Donc, je voulais choisir votre équipe. 1, 2, 3. Non. Faux départ. Hey, je suis stressée. J'aime pas ça. 2. Mais j'ai même pas dit 3, wesh. Deux. Partez. Vite, cours. Vite. Non. Pourquoi t'es resté? Pourquoi t'es resté? Elle est partie avant. Non, elle est partie à trois. Les filles, on recommence? Non. Est-ce que vous recommencez? La vidéo dit la vérité. C'est lui, là-bas, on voyait pas. C'est moi là-bas. Elle a pas dire son nom, Tigo. T'as placé une personne là-bas, elle a pas. T'as pas le principe de respecter les règles. J'arrive à me passer. On a respecté les règles, il est pas parti à 3, c'est pas mon souci. Oui, d'accord. C'est pas mon souci. C'est pas mon souci. Dans la vidéo, on voit que Laurent est à côté de Calvin, c'est parfait. C'est pas mon souci. C'est pas mon souci. Calvin est à côté. Le témoin, Rajibo, tu as vu le gars avant, c'est un témoin. Bah si, c'est pas mon souci, c'est ton souci. Bah non, c'est pas mon souci. Tu vas arriver jusqu'à moi. Oui, mais elle est venue. On va arriver devant moi. Je l'ai vu. Elle est venue jusqu'à toi. C'est quoi, de toute façon, tu verras dans la vidéo. Vas-y, remets la vidéo. Est-ce que tu peux remettre la vidéo, s'il te plaît? Non. Tu avales tout ça, je me mange à sa place. Et tu as 10 euros. Avale direct. Fais voir. Ah, grand. Comme pas mal. Attends.